L'Esprit de Dieu descende sur la terre de toute manière sainte. Amen. Hola. 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 De nuevo. Voilà, donc je souhaite vous parler un petit peu des âmes du purgatoire. Voy a tratar de hablaros de las almas del purgatorio. Et spécialement du charisme de Maria Sima. Y especialmente del carisma de María Sima. Car Maria Sima avait un très grand charisme. Porque María Sima tenía un gran carisma. Celui d'être visitée par les âmes du purgatoire. El de ser visitada por las almas del purgatorio. Maria Sima est morte le 16 mai 2004. María Sima murió el 16 de mayo de 2004. Au centre social de Bezo. En el centro social de Bezo. Et sa sépulture. Y su tumba. A eu lieu le 19 mars à Sontag. Su enterramiento tuvo lugar el 19 de marzo en. À Sontag. En Sontag. En Autriche. En su pueblo, en Austria. Où elle passa sa vie. En el pueblo donde ella vivió la mayor parte de su vida. Elle était mondialement connue. Era conocida mundialmente por los contactos, que la entretenía avec les âmes du purgatoire, que mantenía con las almas del purgatorio. Sa date de naissance c'est le 5 février 1915. Su fecha de nacimiento fue el 15 de febrero del 1915. El 15 de febrero de 1915. Et dès sa plus tendre enfance, desde su más tierna infancia. Eh bien, elle manifesta une profonde piété. Manifestó una profunda piedad. Et elle fréquenta assidûment des cours d'instruction religieuse. Y frecuentaba asiduamente clases de instrucción religiosa. Et ces cours étaient donnés par son curé. Y estas clases las daba su párroco. Et puis, elle désira devenir religieuse. Y después quiso ser religiosa. Mais malheureusement, à trois reprises. Pero desgraciadamente, después de tres intentos. Elle dut retourner à sa maison. Tuvo que volver a casa. Parce que sa santé était trop fragile. Porque su salud era muy frágil. Et alors, elle passa trois ans. Y pasó tres años. Au service du Home Saint Joseph. En la casa Home, en la residencia San José. À Ferklich. Feldkirch, un sitio en Austria. Et puis elle revient tenir le ménage de son père jusqu'à sa mort. Y volvió a casa para cuidar de su padre, de la casa de su padre hasta su muerte. C'était en 1947. En 1947. Et depuis lors. Y desde entonces. Elle vivait toute seule dans la maison paternelle. Vivía sola en la casa de su padre. Et Maria Sima a consigné une partie de toutes ses expériences. Maria Sima a escrito una parte de sus experiencias. Dans un livre qui s'appelle. En un libro que se titula. Les âmes du purgatoire m'ont dit. Las almas del purgatorio me han dicho. Et lorsqu'on le lui demandait. Y cuando se le preguntaba. Elle faisait des conférences. Y cuando se le pedía, daba conferencias pour sensibiliser les gens, para sensibilizar a la gente aux souffrances du purgatoire. Para que se dieran cuenta de los sufrimientos del purgatorio. Et puis nous savons aussi qu'elle recevait un courrier très abondant et qu'elle y répondait. Recibía muchísimas cartas y las contestaba. C'est ainsi que se déroula la vie. Así se desarrolló su vida de Maria Sima. De María Sima. Qui a bénéficié de grandes faveurs spirituelles. Que fue favorecida con grandes favores espirituales. De la part du Seigneur. Por parte del Señor. Et qui jouit maintenant. Y que disfruta ahora. De la vision béatifique. De la visión beatífica. En tout cas, nous l'espérons. Esperamos que sea así. Maria Sima, c'était une simple paysanne. Maria Sima era una sencilla campesina. Et depuis son enfance, elle priait beaucoup pour les âmes du purgatoire. Y desde pequeña rezaba mucho por las almas del purgatorio. À l'âge de 25 ans. A los 25 años. Elle a été favorisée d'un grand charisme. Fue favorecida por un gran carisma. C'est un charisme qui est très particulier. Es un carisma muy particular. Et très rare aussi. Y muy poco frecuente también. Le charisme d'être visité par les saintes âmes du purgatoire. El carisma de ser visitada por las santas almas del purgatorio. Maria Sima, c'était une âme catholique.
María Sima era un alma católica d'une grande simplicité, de una gran simplicidad, sencillez, et d'une grande humilité. Y de una gran humildad. Et elle fut toujours encouragée par, dans cette tâche. Y en su tarea siempre tuvo el apoyo par le curé de sa paroisse, del párroco de su parroquia, et aussi par son évêque. Y por su obispo. Estuvo apoyada también por su obispo. Et elle vivait très pauvrement et très dépouillée. Vivía muy pobremente y de una forma muy austera. Et un jour, elle a été visitée une première fois par les âmes du purgatoire. Y una primera vez tuvo la visita de las almas del purgatorio. Et ça s'est passé en l'an 40. Y eso fue en el año 40. Une nuit vers 3h ou 4h du matin. Una noche hacia las 3-4 de la madrugada. Alors elle a entendu quelqu'un qui allait et venait dans la chambre. Notó, se dio cuenta de que había alguien que iba y venía por su habitación. Et ça l'a réveillé. Y eso la despertó. Et elle a regardé qui pouvait bien être rentré dans sa chambre. Y miró a ver quién había podido entrar en su habitación. Et elle a vu que c'était un étranger. Y vio que era alguien desconocido. Et cet étranger, il allait et il venait. Esa persona desconocida iba y venía. Et il allait très lentement. Muy despacio. Alors elle, elle avait pas peur du tout. Y ella no tenía miedo. Moi, j'aurais eu la trouille. Yo, dice, yo tendría miedo. Pero ella no tenía miedo. Et alors elle lui a dit d'un ton sévère. Y ella le dijo de una forma seca y severa. Comment es-tu rentré ici? ¿Cómo has entrado aquí? Qu'est-ce que tu as perdu? ¿Qué se te ha perdido aquí dentro? Mais lui, il continuait à marcher, il faisait les 100 pas. Pero el otro no hacía más que ir y venir. Comme s'il n'avait rien entendu de Maria. Como si no la hubiera oído, como si no, María no le hubiera dicho nada. Alors María Sima lui a demandé. Entonces María Sima le preguntó. Mais qu'est-ce que tu fais? ¿Qué haces? Mais comme il ne répondait toujours pas, pero como el otro no contestaba, María Sima se levó de un bond, se dio un salto de la cama, se salió de la cama de un salto, y la voulu l'attraper, y lo quiso coger. Mais en voulant l'empoigner, pero al quererla coger, agarrar a esa persona, elle a saisi de l'air, se dio cuenta de que solo había aire, et il y avait plus rien, y ya no había nada. Alors elle est partie se coucher, y entonces se volvió a acostar, porque no era nada miedoso. Mais à nouveau, il est revenu. De nuevo volvió. Elle a entendu aller et venir. Ella lo oyó ir y venir. Et elle se demandait pourquoi elle voyait cet homme. Y se preguntaba por qué veo yo a este señor. Et pourquoi, puisqu'elle le voyait, elle ne pouvait pas l'empoigner. Y por qué si lo veo no lo puedo tocar. Alors elle s'est levée de nouveau pour l'empoigner. Se volvió a levantar para intentar cogerlo. Et pour l'arrêter de marcher. Y para que se parase de caminar. Mais à nouveau elle fonça dans le vide. Pero de nuevo se dio cuenta que allí estaba vacío, no había nada. Alors elle se retrouvait dans un état très perplexe. Y se quedó en una situación de mucha perplejidad. Et là elle s'est couchée mais il n'est pas revenu. Y se volvió a acostar, pero no volvió, esa persona, ese señor no volvió. Mais elle a pas pu se rendormir. Pero ya no se pudo volverse a dormir. Et alors, le lendemain, elle est allée à la messe. Y al día siguiente fue a misa. Et puis elle est allée voir son directeur spirituel. Y fue a ver a su director espiritual. Et alors elle lui a tout raconté. Y se lo contó todo. Et le père spirituel, il lui a dit à ce moment-là. Y su padre espiritual le dijo entonces. Si cela recommence, si cet homme revient, si vuelve a sucederte eso, si este señor vuelve, ne demande pas qui es-tu, no le preguntes quién eres, mais que veux-tu de moi, sino dile qué quieres de mí. Et la nuit suivante, il est revenu. Y la noche siguiente volvió. C'était bien la même personne. Era la misma persona. Alors elle lui a dit, mais que veux-tu de moi? Y ella le dijo, qué quieres de mí. Et alors il lui a dit. Y él le dijo. Fais célébrer 3 messes pour moi. Por favor, haz que se celebren 3 misas por mí. Et je serai délivrée du purgatoire. Y me librarás del purgatorio. Alors María Sima, à ce moment-là, elle a compris que c'était une âme du purgatoire. Y en ese momento se dio cuenta que era un alma del purgatorio. Elle en a parlé à son père spirituel. Se lo comentó a su padre espiritual. Et lui lui a confirmé que c'était bien une âme du purgatoire. Y él confirmó que realmente era un alma del purgatorio. Et il lui a conseillé aussi de ne jamais repousser les âmes du purgatoire. Il aconsejó que, por favor, que nunca rechazase las almas del purgatorio. Mais de toujours accepter avec générosité leurs demandes. Sino que por el contrario aceptara siempre con generosidad sus peticiones. Et les visites après elles ont continué. Y las visitas continuaron. Mais ils ne venaient par un.
à peu près 3 ou 4 âmes. Et venait chaque année, il venait à peu près. Entonces, cada año le venían 3 o 4 almas. C'était au mois de novembre. Era en el mes de noviembre. Puisque le mois de novembre est consacré aux âmes du purgatoire. Porque el mes de noviembre está dedicado a las almas del purgatorio. Et par la suite, il est venu davantage d'âmes. Y a continuación, cada vez venían más almas. Alors, Maria Sima nous dit que la plupart du temps, les âmes demandent des messes pour elles. Ella decía que la mayor parte de las veces las almas lo que pedían eran misas, que se celebraran misas por ellas. Et nous demande de participer à ces messes. Y nos piden que participemos en esas misas. Et nous demande aussi de dire le chapelet. Y nos piden también que recemos el rosario. Et de pratiquer le chemin de croix. Y también de rezar el Via Crucis. Le purgatoire. El purgatorio. C'est un lieu de désir. Es un lugar de deseo. De désir fou de Dieu. De un deseo tremendo de Dios. Du désir de ce Dieu qu'on a déjà vu au moment du jugement de notre âme. El deseo de ese Dios que ya hemos visto en el momento de nuestro juicio particular. Alors, on a envie de le voir parce qu'on l'a déjà vu. Se tiene ganas de verlo porque ya lo hemos visto. Mais on ne peut pas encore s'unir à lui. Pero todavía no nos podemos unir a él. Parce qu'on n'est pas assez pur. Porque no tenemos suficiente, o nuestra situación no es de suficiente pureza. Alors les âmes ont dit à Maria qu'ils avaient ce grand désir de Dieu. Las almas le contaban a María que ellos tenían ese enorme deseo de Dios. Et elles lui ont dit aussi combien ce désir est profondément douloureux. Y le explicaban también lo enormemente doloroso que es ese deseo. Et pour les âmes, c'est vraiment une agonie. Y para las almas del purgatorio eso realmente es como una agonía. Et alors elles souffrent un martyr de l'absence de la présence de Jésus. Et ellas realmente sufren un martirio de la ausencia de la presencia del Señor, de Jesucristo. Et alors Maria nous dit. María nos cuenta que c'est l'âme elle-même. Que es el alma ella misma. Qui désire être pure avant d'aller au ciel pour voir Dieu face à face. La que desea purificarse antes de ir al cielo para ver al Señor cara a cara. Et une fois que l'âme est en purgatoire. Y una vez que el alma ya está en el purgatorio. Elle épouse pleinement la volonté de Dieu. Se adhiere plenamente a la voluntad de Dios. Et elle se réjouit du bien. Y se alegra del bien. Elle désire notre bien. Y desea nuestro bien. Et les âmes du purgatoire nous aiment beaucoup. Las almas del purgatorio nos quieren mucho. D'autant plus qu'elles sont vraiment unies à la lumière de Dieu. Tanto más cuanto que están muy unidas, verdaderamente unidas a la luz del Señor. Alors, ces âmes, elles ont vu Dieu quand elles sont sorties de leur corps, quand elles sont mortes. Estas almas han visto a Dios en el momento de salir de su cuerpo, en el momento de la muerte. Et elles ont vu Dieu dans une certaine clarté. Et han visto a Dios con una cierta claridad. Et c'est cette clarté. Y es esa claridad. Qui leur suffit pour avoir le désir de voir plus Dieu. Lo que es suficiente para que tengan ese enorme deseo de ver a Dios. Alors elles ont une grande nostalgie. Tienen una gran nostalgia. Ensuite. Les âmes ont parlé aussi du rôle de la Sainte Vierge auprès des âmes du purgatoire. También las almas le contaban a María el papel que juega la Virgen entre las almas del purgatorio, acerca de las almas del purgatorio. La Vierge Marie vient souvent au purgatoire. La Virgen María acude a menudo al purgatorio. Pour les consoler. Para darles consuelo. Pour leur dire qu'elles ont fait des choses qui sont bien. Para decirles que han hecho cosas que están bien. Et elle les encourage. Y las anima. C'est une charité de la Vierge Marie pour les encourager à patienter. Es una obra de caridad de la Virgen María para ayudarles a que tengan paciencia. Et le jour où elles sont surtout délivrées, c'est le jour de Noël. Y el día que más almas salen del purgatorio es el día de Navidad. Puis le jour de Toussaint. Y el día de todos los santos. Et enfin le Vendredi Saint. Y también el Viernes Santo. Et la Vierge vient aussi les délivrer le jour de l'Assomption.
También la Virgen va a sacar muchas almas el día de la Asunción. Et le jour de l'Ascension de Jésus. Y el día de la Ascensión de Jesús. Et les âmes ont dit aussi à Maria Sima. Y las almas le contaban también a María Sima. Y había des péchés. Que había pecados. Qui entraîne les âmes plus longtemps au purgatoire. Que arrastra a las almas a un purgatorio más largo. Et ce sont des péchés contre l'amour. Y son los pecados contra el amor. Les péchés contre la charité. Contra la caridad. La dureté de cœur. La dureza de corazón. L'austérité et la calomnie. La calomnie. L'austérité. La austeridad y la calumnia. La calomnie, la médisance. La maledicencia. Et la médisance, on en voit beaucoup, même sur Internet, des gens qui médisent sur les uns, sur les autres. Y maledicencia vemos todos los días y también en Internet, en todos los sitios, hay mucha gente que habla mal de otra gente. Et ces âmes, si elles sont sauvées un jour, elles vont devoir beaucoup, beaucoup souffrir. Y la gente que cae mucho en la maledicencia, si no van al infierno y van al purgatorio, tendrán que sufrir un largo purgatorio. Et Maria Sima disait que la médisance et la calomnie. María Sima decía que la maledicencia y la calumnia son parmi les pires souillures, son las suciedades peores qui nécessitent une longue purification. Que necesitan una gran purificación para las almas. Contre les péchés, contre la charité, pardon. Contra la caridad. Eh bien, il y a les péchés qui sont tous nos rejets de certaines personnes. Están nuestros pecados que consisten en rechazar a otras personas. Les personnes que nous n'aimons pas. Personas que no queremos. Nos refus de faire la paix avec certaines personnes. Cuando rechazamos hacer las paces con alguien. Nos refus de pardonner. Cuando nos rehusamos a perdonar. Toutes les rancunes que nous pouvons avoir. Todos los rencores que podemos tener. Vous voyez, ça c'est ce qui fait que les âmes doivent rester. Normalement, on dit entre 30 et 40 ans, les âmes du purgatoire, elles restent dans ce lieu de purification. Todos estos pecados son los que hacen que las almas tengan un purgatorio más largo. Ella habla de 30 a 40 años de purgatorio. Et un jour, il y a une femme qui était dans le feu du purgatoire. Una vez, una señora que estaba en el fuego del purgatorio. Avec des souffrances très très fortes. Con sufrimientos muy fuertes. Et elle est venue voir Maria. Y fue a ver a María. Elle lui racontait qu'elle avait une amie. Y le contó que tenía una amiga. Avec laquelle elle avait une grande inimitié. Con la cual se había enemistado profundamente. Et cette inimitié était due à elle-même. Y esta enemistad, la culpable era ella misma. Et elle avait entretenu cette inimitié pendant des années. Y había mantenido esta enemistad durante años. Alors que son amie, à plusieurs reprises, mientras que su amiga, varias veces, elle était venue demander la paix et la réconciliation. Había ido para pedirle la paz y la reconciliación. Et à chaque fois, elle avait refusé de lui donner la paix. Y cada vez esta señora había rehusado hacer las paces con su amiga. Et lorsque cette femme est tombée gravement malade, y cuando esta mujer cayó gravemente enferma, elle a continué à fermer son cœur. Continuó a cerrar su corazón. Et a refusé la paix que lui proposait son ami. Y a rehusar hacer las paces que su amiga le proponía. Et cela jusqu'à son lit de mort. Y esto incluso en su lecho de muerte. Et au moment de sa mort, son ami est venu la relancer pour faire la paix. Su amiga volvió otra vez para pedirle que hicieran las paces. Et comme elle a refusé à ce moment-là, y como volvió a rehusar en ese momento, elle s'est retrouvée dans un purgatoire très très douloureux et très long. Cayó en un purgatorio muy muy largo y muy doloroso. Alors Dieu lui a permis d'aller rencontrer Maria Sima pour lui demander de l'aide. El Señor le permitió ir a donde María Sima para pedirle ayuda. Et puis les âmes ont dit aussi à Maria Sima. Y también las almas le contaron a María Sima. Que ceux qui ont la chance d'aller au ciel le plus vite possible. Los que tienen la suerte de ir al cielo lo más rápidamente posible. C'est d'avoir un bon cœur avec tout le monde. Son los que tienen un buen corazón con todo el mundo. Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Porque la caridad cubre una multitud de pecados. Alors il y a des moyens que nous pouvons entreprendre pour éviter le purgatoire. Hay medios que podemos utilizar para evitar el purgatorio. Et
pour que les âmes du purgatoire aussi nous aident. Y para que nos ayuden las almas del purgatorio. Mais il faut beaucoup prier pour les âmes du purgatoire. Pero tenemos que rezar mucho por las almas del purgatorio. Et puis surtout, il faut avoir une grande humilité. Y sobre todo tenemos que ser muy humildes. Parce que l'humilité, c'est la plus grande arme contre Satan. Porque la humildad es la arma más mejor contra Satanás. L'humilité chasse Satan. La humildad aleja a Satanás. Et la simplicité aussi le chasse. Y la sencillez también lo aleja. María nous raconte aussi. María nos cuenta también que il y a des âmes. Y hay almas qui ont besoin de plus de prières que d'autres au purgatoire. Que necesitan más oraciones que otras. Parce qu'il y a divers niveaux au purgatoire. Porque hay diversos niveles en el purgatorio. Et il y a le grand purgatoire. Está el gran purgatorio. Qui est proche de l'enfer. Que está muy cerca del infierno. Et puis il y a divers états suivant le nombre de péchés que nous avons commis. Y después hay diversas etapas o escalones según el número de pecados que hayamos cometido. Et au fur et à mesure qu'on monte vers le ciel. Y a medida que uno va subiendo hacia el cielo. Il y a ce qu'on appelle le parvis du ciel. Está lo que llamaríamos el umbral del cielo. Et après le parvis du ciel. Y después del umbral del cielo. Eh bien, l'âme, elle peut rentrer directement au paradis. El alma entra ya directamente al paraíso. On a demandé aussi à Maria Sima pourquoi le bon larron Jésus lui avait promis le paradis. También se le preguntó a María Sima por qué Jesucristo prometió el paraíso al buen ladrón. Eh bien, parce que il a accepté humblement sa souffrance. Ella ha dicho que porque había aceptado con humildad su sufrimiento. En disant que sa souffrance, eh bien, pour lui c'était justice. Reconociendo que su sufrimiento para él era justicia. Et il a encouragé l'autre larron. Y animó al otro ladrón. À l'accepter aussi. A aceptar también su sufrimiento. C'est-à-dire qu'il avait la crainte de Dieu. Es decir que tenía temor de Dios. Et il était très très humble. Y era muy humilde. Alors, María nous dit que pour aider les âmes à sortir du purgatoire. María nos dice que para ayudar a las almas a salir del purgatorio. La plus grande puissance c'est la messe. Lo más poderoso, lo más potente es la misa. Parce que c'est le Christ qui s'offre au Père par amour pour nous. Porque en la misa Cristo se ofrece al Padre por amor por nosotros. L'offrande du Christ. Es la ofrenda de Jesús, de Cristo. Lui-même à Dieu. Él mismo a Dios. Dieu le Père. A Dios Padre. C'est la plus belle des offrandes. Es la más bonita, la mejor ofrenda posible. Le prêtre, bien sûr, c'est le représentant de Dieu. El sacerdote, claro está, es el representante de Dios. Mais c'est Dieu lui-même qui s'offre. Pero es Dios mismo el que se ofrece. Et qui se sacrifie. Y se sacrifica. Pour chacun de nous. Por cada uno de nosotros. L'efficacité de la messe est d'autant plus grande. La eficacia de la misa es tanto mayor. Que les âmes du purgatoire ont eu de l'estime. Pour la messe de leur vivant. Es tanto mayor cuanto las almas del purgatorio por las cuales se ofrece esta misa han tenido aprecio y estima por la Eucaristía, por la misa. Parce que si les âmes pendant leur vie sur terre elles ont prié de bon cœur. Porque si las almas que están en el purgatorio durante su vida terrestre han rezado de todo corazón. Et si elles y sont allées avec amour pendant la semaine et pendant leur temps libre. Y si han ido con amor durante la semana y durante su tiempo libre. Eh bien, elles peuvent en retirer après au purgatoire de grands soulagements. A la Eucaristía se refiere, dice que después pueden recibir un gran alivio por las Eucaristías que se ofrecen por ellas. En fait, chaque âme récolte ce qu'elle a semé. En realidad, cada alma recoge lo que ha sembrado. Quand la personne meurt. Ha tenido un pequeño lapsus. Las almas son inmortales, pero cuando la persona muere, hay un entierro. Et alors les âmes du purgatoire elles se plaignent que le jour de l'enterrement. Y las almas del purgatorio se quejaban a María Sima de que el día del entierro. Elles se plaignent que les gens pleurent.
se quejaban de que la gente llora, mais que les âmes ne prient pas. Pero que la gente no reza por ellas. Va, la gente va al entierro y llora, pero no reza. Alors elles disent que les larmes des gens, elles sont inutiles. Y entonces le decían a María, dice, las lágrimas no nos sirven de nada. Et si les familles, elles aiment vraiment leurs défunts, y si las familias realmente sienten amor por sus difuntos, eh bien, il faut célébrer des messes pour leurs défunts. Lo que tienen que hacer es celebrar misas por sus difuntos. C'est le saint curé d'Ars qui disait un jour, el santo cura de Ars decía, à propos de la messe, a propósito de la misa, mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami. Hijos míos, un buen sacerdote tuvo la desgracia de perder a un amigo. Et cet ami, il le chérissait tendrement. Y este amigo le era muy querido para él. Alors, il priait beaucoup. Y rezaba mucho. Pour le repos de l'âme de son ami. Por el descanso del alma de su amigo. Et un jour, Dieu lui fait connaître qu'il était au purgatoire. Y un día el Señor le hizo ver que estaba en el purgatorio. Et qu'il souffrait horriblement. Y que sufría horriblemente. Et qu'a fait le prêtre? Bien, il a offert le sacrifice de la messe pour son cher défunt. Entonces ofreció el sacrificio de la misa por su querido difunto. Et au moment de la consécration. Y en el momento de la consagración. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? ¿Qué es lo que hizo? Il a pris l'hostie. Tomó la hostia entre ses doigts, entre sus dedos, et à ce moment-là, il dit à Dieu le Père, y en ese momento le dijo a Dios Padre, Père éternel, Padre eterno, faisons un échange, hagamos un intercambio, vous tenez l'âme de mon ami, tú tienes el alma de mi amigo, qui est au purgatoire, que está en el purgatorio, et moi je tiens le corps de votre fils, y yo tengo el cuerpo de tu hijo, qui est entre mes mains, que está entre mis manos. Eh bien, Père bon et miséricordieux. Entonces, Padre bueno y misericordioso. Délivrez mon ami. Salva o suelta a mi amigo. Et je vous offre votre fils. Y yo te ofrezco a tu hijo. Avec tous les mérites de sa passion. Con todos los méritos de su pasión. Eh bien, sa demande fut exaucée. Y entonces Dios le concedió lo que le pedía. Et au moment de l'élévation. Y en el momento de la elevación. Il vit l'âme de son ami, vio al alma de su amigo, toute rayonnante, toda radiante, de gloire, bien sûr, de gloria, claro está. Et il l'a vu monter au ciel, y lo vio subir al cielo. Bien, Dieu le Père avait accepté l'échange, porque Dios Padre había aceptado el trueque. Alors le saint curé d'Ars disait, el santo cura de Ars decía, quand on veut délivrer une âme du purgatoire, cuando queremos sacar a un alma del purgatorio, qui nous est chère, que nos resulta que es querida nuestra, que la queremos, eh bien faisons de même. Hagamos lo mismo. Offrons à Dieu le saint sacrifice de la messe. Ofrezcamos a Dios el santo sacrificio de la misa. Offrons à Dieu son fils bien-aimé. Ofrezcámosle a Dios a su hijo bien amado. Avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Con todos los méritos de su muerte y de su pasión. Et Dieu le Père ne pourra rien nous refuser. Y Dios Padre no podrá rehusarnos nada. Et puis les âmes ont dit à Maria Sima. Y después también las almas le dijeron a María Sima. Qu'il y avait un autre moyen très puissant pour les délivrer. Que había también otro medio muy potente para salvarlas. C'est l'offrande de nos souffrances. Es el ofrecimiento de nuestros sufrimientos. Et de nos pénitences. Y de nuestras penitencias. Et Maria Sima, elle a été invitée plusieurs fois par les âmes à souffrir pour elle. Y María Sima fue invitada por las almas del purgatorio a que sufriera por ellas. Un jour, il y a une âme qui a demandé à Maria Sima des souffrances. Un día, un alma le pidió a María sufrimientos. Elle lui a demandé si elle voulait bien souffrir pendant 3 heures. Le pidió si estaba dispuesta a sufrir durante 3 horas. Dans son corps. En su cuerpo. Pour qu'elle soit délivrée. Para que l'alma pudiera irse al cielo. Et après 3 heures, elle pourrait vraiment reprendre son travail. Y después de las 3 horas, la dejaría en paz, podría hacer su vida normal. Alors Maria Sima, elle a dit, bon, ben, si c'est que 3 heures et que tout est fini après, d'accord. Dice, bueno, pues si solo son 3 horas y luego todo se va a pasar, pues vale, vamos allá. Et pendant ces 3 heures, Maria, elle dit qu'elle a souffert comme... Elle a eu l'impression qu'elle avait souffert pendant 3 jours, tellement c'était douloureux. Esas 3 horas a María se le hicieron tan largas como si hubieran sido 3 días, de tal manera sufrió, los dolores eran tan fuertes durante esas 3 horas. Et l'âme du purgatoire, elle lui a dit que après avoir pour avoir accepté cette souffrance, el alma del purgatorio le dijo que por haber aceptado sufrir esas 3 horas, elle lui avait épargné 20 ans.
de purgatoire. Le había ahorrado 20 años de purgatorio. Voyez, les souffrances sur terre. Los sufrimientos aquí en la tierra. Ont une valeur bien supérieure. Tienen un valor muchísimo mayor. Que en purgatoire. Que los del purgatorio. Parce que sur la terre, quand on souffre. Porque en la tierra cuando sufrimos. On peut grandir dans l'amour. Podemos crecer en el amor. On peut gagner des mérites. Podemos merecer cosas. Et même les saints et les anges nous envient. Incluso los santos y los ángeles en eso nos envidian. Au purgatoire, les souffrances, elles ne servent simplement qu'à nous purifier du péché. En el purgatorio, los sufrimientos solo sirven para purificar al alma del pecado. Sur la terre, par contre, on a toutes les grâces pour faire le bien. En cambio, en la tierra, mientras vivimos, tenemos todas las gracias para hacer el bien. Mais on a toute la liberté, puisque Dieu nous a créés libres. Como el Señor nos ha creado libres, lo hacemos con total libertad. C'est-à-dire que nous avons la liberté de servir Dieu dans l'Église. Podemos tenemos la libertad de servir al Señor en la Iglesia. Ou de servir Satan dans la franc-maçonnerie, par exemple. O de servir a Satanás dentro de la masonería, por ejemplo. Ou de servir Satan dans le New Age. O de servir a Satanás en la nueva era. Les âmes du purgatoire. Las almas del purgatorio. Elles ont dit à Maria aussi que les indulgences. Le dijeron también a María Sima que las indulgencias. Les aidaient beaucoup dans leur délivrance. Les ayudaban mucho para su liberación. Les âmes du purgatoire, elles ne font que se purifier. Las almas del purgatorio solo hacen que purificarse. Elles ne peuvent rien faire pour elles. No pueden hacer nada para ellas mismas. Mais par contre, elles peuvent beaucoup pour nous. Pero sin embargo, tienen mucha capacidad de ayudarnos a nosotros. Pueden hacer mucho por nosotros. Et María Sima nos dice que nous pouvons gagner beaucoup de mérites tant que nous sommes sur terre. María Sima decía que podemos hacer muchos méritos mientras estamos vivos en la tierra. Et après la mort, les mérites sont terminés. Y después de la muerte, los méritos ya no se pueden hacer méritos. C'est l'heure de la justice. Es la hora de la justicia. Tant que nous vivons sur terre, mientras vivimos sobre la tierra, on peut réparer tout le mal qu'on a fait. Podemos reparar todo el daño que hemos cometido. Moi, par exemple, j'ai demandé à Dieu de faire mon purgatoire sur la terre. Ella le ha pedido al Señor que le conceda poder pasar el purgatorio sobre la tierra. Alors, j'ai beaucoup de souffrances. Y tiene muchos sufrimientos. Mais je préfère souffrir toute une vie sur terre. Pero prefiere sufrir toda la vida aquí en la tierra. Qu'un seul jour au purgatoire. Que pasar solo un día en el purgatorio. Vous savez, un jour, Sœur Faustine. Un día, Sœur Faustina Kowalska. On en parlera demain. Mañana hablaremos de ella. Sœur Faustine, un jour, elle a été amenée par son ange gardien au ciel. Un día, su ángel de la guarda la llevó al cielo. Et Dieu lui a donné le choix. Y el Señor le dio a elegir. De souffrir un jour dans le feu du purgatoire. Un día en el fuego del purgatorio. Ou 13 ans dans la vie religieuse. O 13 años en la vida religiosa. Et nous savons qu'elle a dit à Jésus dans son petit journal. Y en su diario nos cuenta que le dijo a Jesús. Elle a dit à Jésus, mais je veux souffrir les deux. Pero le dijo a Jesús, yo quiero sufrir las dos cosas, en el purgatorio y aquí en la tierra. Alors Jésus lui a dit non. Y Jesús le dijo no. Un seul suffit. Una sola cosa basta. Tu vas descendre sur terre et tu vas beaucoup souffrir. Volverás a la tierra y sufrirás mucho. Mais ne crains pas, je suis avec toi, hein. Pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Voyez, frères et sœurs, les souffrances sur la terre. Os dais cuenta que, hermanos y hermanas, los sufrimientos sobre la tierra son l'épreuve la plus grande de l'amour de Dieu pour nous. Son la prueba más grande del amor que nos tiene el Señor. Et si on sait vraiment offrir ces souffrances, y si somos capaces y sabemos verdaderamente ofrecer estos sufrimientos, on peut d'une part sauver beaucoup d'âmes, podemos por una parte salvar a muchas almas, et délivrer aussi beaucoup d'âmes du purgatorio. Y además librar a muchas almas del purgatorio. La souffrance est un cadeau de Dieu. El sufrimiento es un regalo del Señor, de Dios. Parce que si on ne souffre pas, on ne peut pas apprendre à aimer.
Porque si no se sufre, no se puede aprender a amar. Et vous savez, il faut donner toutes vos souffrances à la Sainte Vierge. Y es preciso ofrecerle todos nuestros sufrimientos a la Santísima Virgen. Pour la délivrance des âmes du purgatoire. Para librar a las almas del purgatorio. Vous savez, c'est elle, la Sainte Vierge, qui sait le plus quelle âme du purgatoire a besoin plus que d'une autre. Y la Virgen sabe mejor que nadie qué alma necesita más ayuda que otras en el purgatorio. Par la souffrance supportée avec patience. Y por el sufrimiento soportado con paciencia. Eh bien, on sauve beaucoup, beaucoup d'âmes. Salvamos muchísimas almas. Vous savez, le Christ. Sabéis, Jesucristo. Il était l'innocence. Même. Era la inocencia misma. Et c'est lui qui a le plus souffert. Y ha sido el que más ha sufrido. Pour l'expiation de nos propres péchés. Para la expiación de nuestros propios pecados. Et vous savez, c'est quand nous arriverons au ciel. Y sabéis, cuando lleguemos al cielo. Que nous saurons tout ce que nous avons obtenu. Sabremos todo lo que hemos obtenido. Par la souffrance supportée avec beaucoup de patience. Por el sufrimiento soportado con paciencia. En union avec les souffrances de Christ, sa passion. En unión con los sufrimientos de Cristo en su pasión. Les âmes du purgatoire ne se révoltent pas de leurs souffrances. Las almas del purgatorio no se rebelan de sus sufrimientos. Elles l'acceptent avec humilité. Lo aceptan, el sufrimiento lo aceptan con humildad. Elles veulent se purifier. Porque quieren purificarse. Parce qu'elles comprennent que c'est nécessaire pour paraître devant Dieu et pour vivre au ciel. Porque comprenden que es necesario para comparecer delante del Señor y vivir en el cielo. La contrición de nos pecados al momento de la muerte. La contrición de nuestros pecados en el momento de la muerte. Es très très importante. Es muy importante. Y si on a confessé nos pecados. Si hemos confesado nuestros pecados. Les péchés sont remis, sont effacés. Los pecados son perdonados, son borrados. Mais il reste les conséquences de nos péchés. Pero permanecen las consecuencias de nuestros pecados. Alors si on veut obtenir une indulgence plénière lors de la mort. Si queremos obtener una indulgencia plenaria en el momento de nuestra muerte. C'est-à-dire si on veut rentrer au ciel directement. Si queremos ir al cielo directamente. Eh bien, il faut que nous soyons libres de tout attachement terrestre. Es necesario que estemos libres de cualquier atadura terrestre. C'est-à-dire il faut que nous soyons détachés de l'argent. Tenemos que estar despegados del dinero. De nos biens. De nuestros bienes. De nos habits. De nuestras cosas, de nuestros trajes. De notre voiture. De nuestro coche. De notre famille. De nuestra familia. Il faut aimer notre famille. Hay que querer a nuestra familia. Mais l'aimer en Dieu. Pero quererla en Dios. Pour son salut. Para su salvación. Et non pour soi. Y no por nosotros. Les âmes de nos enfants. Las almas de nuestros hijos. Les âmes de nos parents. Las almas de nuestros padres. Ne sont pas à nous. No nos pertenecen. Elles nous sont prêtées sur terre. Se nos confían en la tierra. Pour jouir de la vie, de l'amour de la famille. Para disfrutar de la vida y del amor de la familia. Mais arriver devant Dieu. Pero cuando se llega delante del Señor. Il faut que nous rendions compte des péchés que nous avons fait commettre aux enfants et aux parents. Tenemos que dar cuentas de los pecados que hemos hecho cometer a los hijos y a los padres. C'est pourquoi moi je confesse tous mes péchés. Es por eso que ella confiesa. Se confiesa todos sus pecados. Parce que dans mon âme, j'ai vécu les trois conditions. Porque en mi alma he vivido las tres condiciones. La condition d'une âme au ciel. La condición de un alma en el cielo. La condition d'une âme au purgatoire. La situación de un alma en el purgatorio. Et la condition d'une âme en enfer. Y la situación de un alma en el infierno. Et déjà le purgatoire c'est difficile. Ya el purgatorio es muy difícil. Mais l'enfer, on se voit comme une bête. Pero en el infierno uno se ve como un animal salvaje, como una bestia. Et on reste dans cet état si on se confesse pas auprès d'un prêtre. Y si estamos en pecado mortal, permanecemos en ese estado si no nos confesamos con un sacerdote. À l'heure de la mort. En la hora de nuestra muerte. Le Seigneur. El Señor. Nous donne encore quelques minutes. Nos da todavía unos minutos. Pour regretter nos péchés. Para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Et pour se décider d'aller ou de ne pas aller vers Jésus. Y para tomar la decisión de ir o de no ir hacia Jesús. Et là,
on voit le film de toute notre vie. Y ahí vemos la película de nuestra vida. Et à chaque âme, au moment de la mort, y a cada alma, en el momento de la muerte, est donnée la connaissance de sa vie. Se le da el conocimiento de su vida. Et aussi la souffrance qu'elle va avoir après pour se purifier au purgatoire ou en enfer. Y el sufrimiento que tendrá para purificarse en el purgatorio o en el infierno. Et l'intensité de la révélation du Seigneur. Y la intensidad de la revelación del Señor. Dépend de la vie que chacun a menée. Depende de la vida que cada uno ha llevado. Imaginez un serviteur de Dieu, un prêtre par exemple. Imaginaos un servidor de Dios, un sacerdote por ejemplo. Ou un évêque. O un obispo. Qui pendant sa vie, au lieu de servir les âmes. Que durante su vida, en lugar de servir a las almas. Eh bien, il a regardé les jupons des femmes. Se ha dedicado a mirar las piernas de las chicas. Ou alors il s'est mis avec une femme. O se ha puesto a vivir con una mujer. Ou alors il n'a pas prié, il n'a pas récité le bréviaire. O no ha rezado, por ejemplo, el oficio divino, el breviario, o no ha cumplido sus obligaciones. Alors quand il se présente devant Dieu. Cuando se presente delante de Dios. Ou si par exemple il est rentré dans la franc-maçonnerie. O todavía peor, si se ha metido en la masonería. Et qu'est-ce qui se passe? ¿Qué sucede cuando quand il se présente devant Dieu? Cuando está delante de Dios. Il va se voir comme la bête. Se va a ver como una bestia. Horrible comme Satan. Horrible comme Satanás. Moi Dieu m'a montré. Dice, a mí el Señor me lo ha hecho ver. Bien que je vive depuis des années dans la chasteté, la pauvreté. Aunque desde hace años vivo en castidad y en pobreza. Et même après avoir fait de nombreuses confessions presque toutes les semaines depuis 15 ans. Y después de haberme confesado casi semanalmente desde hace 15 años. Je vois toujours mon âme comme Judas. Yo veo a mi alma como siempre como Judas. Judas qui est en enfer. Que está en el infierno, Judas. Dieu m'a fait descendre les niveaux du purgatoire. El Señor me ha hecho descender los niveles del purgatorio. Et j'ai vu dans mon âme l'intensité après du péché. Y he vivido en mi alma la intensidad del pecado. Et j'ai eu la chance de le vivre par paliers. Y he tenido la suerte de vivirlo por etapas, por niveles. Mais à l'heure de la mort, chacun voit tout. Pero en el momento de la muerte se ve todo a la vez. Et si elle n'a pas été baptisée et si elle n'a pas pris les sacrements. Si no ha sido bautizado y si no ha recibido los sacramentos. Alors c'est un électrochoc. Es una cosa tremenda. Quand elle voit tous les péchés qui sont accumulés. Cuando ha visto todos los pecados que ha ido acumulando. D'où l'importance d'aller rencontrer un bon prêtre. Por eso es tan importante tener la posibilidad de acercarse a un buen sacerdote. Et l'importance aussi de revêtir le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. Y también es muy importante llevar puesto el escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Parce que dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle le privilège sabbatin. Porque en la Iglesia Católica tenemos lo que se llama el privilegio sabatino. Et qui permet d'être délivré le premier samedi qui suit la mort du purgatoire. Que permite ser librado del purgatorio, la Virgen va a buscarnos el primer sábado que sigue al día de nuestra muerte. Alors, si vous êtes bien amis avec la Sainte Vierge, si tenéis mucha amistad con la Santa Virgen, arrangez-vous pour mourir le samedi matin. Dice, intentar a ver si podéis morir el sábado por la mañana. Vous montez direct au ciel. Si la cosa va más rápido, para subir directamente. Alléluia. Porque si se muere el lunes te queda hasta el próximo sábado, ¿sabes? Si te mueres el sábado ya la cosa va al otro. La Vierge a dit un jour que il y avait une âme qui avait revêtu le scapulaire du Mont Carmel. La Vierge a dit un jour. La Virgen ha dicho un día. Un jour il y avait une âme qui avait reçu le scapulaire du Mont Carmel. Que un alma que llevaba el que había recibido el escapulario de la Virgen del Carmen. Mais à l'heure de la mort elle luttait, elle voulait pas le mettre. Pero en el momento de morirse estaba luchando porque no se lo quería poner. Et la Vierge a souffert et elle a dit que Satan avait apporté l'âme en enfer. Y la Virgen con gran dolor dijo que Satanás se la había llevado al infierno. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scapulaire émet une telle lumière. Hay que darse cuenta, hay que saber que el escapulario emite una luz tan grande. Que les démons ne peuvent pas s'approcher de l'âme qui le porte. Que los demonios no se pueden acercar al alma que lo lleva puesto.
D'où l'importance de le garder autour du cou. Por eso es tan importante llevarlo puesto al cuello. Souvent je rencontre des personnes parce que je fais de nombreuses conférences dans de nombreux pays. A menudo yo encuentro muchas personas porque viajo mucho y doy conferencias en muchos países. Et les gens disent oui, j'ai reçu le scapulaire. Y la gente dice sí, sí, a mí me lo han impuesto el escapulario. Mais le scapulaire, je l'ai dans ma poche. Pero lo tengo en el bolsillo. Je l'ai par-ci. Aquí. Ou alors dans mon sac. O lo llevo en el bolso. Je dis mais vous n'êtes pas protégé. Y ella dice pero así no es, así no estás protegido. Le scapulaire se passe autour du cou. El escapulario hay que llevarlo colgado al cuello. Parce que les cordes du scapulaire. Porque las dos cintas del escapulario. Servent à lier Satan. Son capaces de atar a Satanás. Donc, quand on l'a revêtu. Por eso cuando lo llevamos puesto. Il faut le garder sur soi autour du cou. Hay que llevarlo siempre alrededor del cuello. Sinon, il ne vous sert de rien. Si no, no, no nos sirve de nada. Il sera possible pour ceux qui n'ont pas encore reçu le scapulaire du Mont Carmel, puisque j'en ai porté. Dice, será posible para los que no lo tengáis todavía o nos lo hayan impuesto, ahí hay escapularios. Avant la fin de la retraite. Y al fin, antes de que se acabe el retiro. De voir le prêtre. De que el sacerdote. Et de faire une imposition générale du scapulaire pour ceux qui le souhaitent. Que nos haga una imposición general de ese escapulario para los que lo deseen. Voilà, vous pouvez prendre un scapulaire qui est sur la table à l'extérieur. Ahí tenéis escapularios el que no tenga. Et puis après, on verra ensemble comment on peut faire avec le prêtre pour l'imposition. Y después le pediremos al sacerdote cómo se puede hacer para que nos lo imponga. Alors, à l'heure de la mort, Maria nous dit que le diable a le droit de nous attaquer avec tous ses démons. María Sima nos dice que en la hora de la muerte el diablo se le ha concedido podernos atacar con todos sus demonios. Mais elle nous dit que l'homme, il a la grâce et le pouvoir de lui résister. Pero también nos dice que el ser humano, el hombre, tiene la gracia y el poder de resistírsele. Parce que si l'homme ne veut pas, porque si el hombre no quiere, le démon ne peut rien. El demonio no puede nada. La meilleure préparation avant la mort. La mejor preparación antes de la muerte. C'est de s'abandonner totalement au Seigneur. Es abandonarse completamente al Señor. D'offrir toute sa souffrance. Ofrecer todos nuestros sufrimientos. Et d'être heureux de Dieu. Y estar feliz con el Señor. Et quand on sait que quelqu'un va mourir. Y cuando nos enteremos o cuando sepamos que alguien va a morir. María Sima nos dice que faut beaucoup prier pour cette personne-là. María dice que tenemos que rezar mucho por esa persona. Et bien la préparer à mourir. Y prepararla bien para la muerte. Par exemple, si c'est vos parents. Por ejemplo, si se trata de nuestros padres. Il faut appeler un prêtre pour recevoir le sacrement, l'extrême onction. Hay que llamar a un sacerdote para que le administre la unción de los enfermos. Pourquoi pas le sacrement des malades, si nécessaire. Et la confession. Il faut donner les sacrements aux mourants. La confesión y la unción de los enfermos. Parce que si on ne le fait pas. Porque si no se hace esto, si no lo hacemos. Quand on va se présenter devant Dieu. Cuando se presente delante del Señor. Dieu va nous en demander compte. El Señor nos pedirá cuentas. Parce que la force des sacrements va aider l'âme à être sauvée. Porque la fuerza de los sacramentos ayuda al alma a salvarse. Que s'il n'y a pas de sacrement, elle peut se perdre. Si no se le administran los sacramentos, tiene más peligro de perderse. Et Maria nous dit qu'on doit dire la vérité à l'âme, qu'elle va aller rencontrer Dieu. Y María nos insiste, nos dice que tenemos que decirle la verdad a la persona, al alma, que se va a encontrar con el Señor. Et Maria nous dit que Dieu veut faire de nous des saints. Y María dice que lo que quiere el Señor es hacer que de nosotros santos. Et que pour être saint sur terre, y para ser santo en la tierra, il faut être très humble. Hay que ser muy humilde. Il ne faut pas s'occuper de soi-même. No hay que ocuparse de uno mismo. Et elle nous dit que c'est l'orgueil. Dice que el orgullo. Qui est le piège le plus fort du malin. Es la trampa más grande del maligno. C'est ce que je vous expliquais ce matin. Es lo que he explicado esta mañana. Dans la conférence sur les dangers du New Age. En la conferencia sobre los peligros de la nueva era. Parce que quand on est dans ces techniques-là, porque cuando estamos en esas técnicas, chakra, reiki, todo lo que ha dicho, tout ce dont j'ai parlé ce matin qui est ésotérique ou occulte, todo lo que ha dicho que es esotérico u oculto, eh bien, par ces techniques-là, Satan plonge l'âme déjà dans l'enfer. Con esas técnicas, Satanás sumerge a la alma ya en el infierno. Mais vous vous rendrez compte que vous avez des liens avec Satan. Pero os daréis cuenta que tenéis lazos con el demonio.
Si vous êtes dans le New Age et que d'un coup vous voulez aller vous approcher de l'Église ou vers Dieu. Si uno está en la nueva era y que de repente quiere acercarse a la Iglesia y a Dios. Et bien là, vous allez voir que le démon va se manifester. Y veréis cómo el demonio se manifestará. Auparavant, quand il vous a perdu, il vous laisse tranquille. Mientras él ha conseguido perdernos, nos deja tranquilos. Une fois qu'il vous a plongé dans l'orgueil de la maçonnerie, des Rose-Croix, des témoins de Jéhovah, des catholiques qui est devenu évangélique, par exemple. Una vez que ha conseguido que nos metamos en todos estos berenjenales, en los Rosacruces, la masonería, o bien hemos dejado de ser católicos para hacernos o testigos de Jehová, o evangélicos, etc. Eh bien, Dieu m'a fait voir intérieurement comment le diable est heureux. El Señor le ha permitido ver que ella vea cómo lo feliz que está el demonio en esa situación. El demonio, il a une joie intense, une joie démoniaque. Está feliz con una alegría demoníaca. Et il fait... Y se frota las manos. Voilà. Alors après, il embête plus l'âme puisqu'il l'a plongé dans l'orgueil, il l'a perdu. En ese momento, como ya es dueño de esa alma, ya la ha conseguido su perdición, pues lo deja en paz. Mais si l'âme, elle décide de prendre la Bible et de lire le catéchisme et d'aller voir un prêtre pour la confession. Pero si esa persona, esa alma, decide leer la Biblia, leer el catecismo o ir a confesarse con un sacerdote. Alors là, il va commencer à réagir. Entonces el demonio empezará a reaccionar. Et il va faire croire à l'âme, mais non, mais tu peux te confesser directement à Dieu tout seul, tu seras pardonné. Empezará a susurrarle a l'âme, no te preocupes, te puedes confesar directamente con Dios, no hace falta que vayas a confesarte con un sacerdote. Et c'est comme ça qu'à l'heure de la mort, l'âme tombe en enfer parce qu'elle n'est pas allée voir le prêtre. Y si el alma cae en esa trampa, pues al final, en la hora de la muerte, el demonio se la lleva al infierno porque no ha ido a confesarse con un sacerdote. Les âmes... Elles ne souffrent plus dans leur corps puisque le corps est resté sur terre. Las almas del purgatorio ya no pueden tener sufrimientos corporales porque el cuerpo se ha quedado en la tierra. Mais c'est l'âme qui n'a pas assez aimé, qui apprend à aimer sur en purgatoire. Pero el alma que no ha amado suficientemente es la que tiene que aprender a amar en el purgatorio. Si on n'a pas assez aimé nos frères et sœurs sur terre. Si no hemos amado suficientemente a nuestros hermanos y si hermanas en la tierra. Si on s'est occupé que de notre famille et pas des autres qui avaient besoin de nous. Si solo nos hemos ocupado de los nuestros, de la familia y no nos hemos ocupado de los demás que nos necesitaban. Alors l'âme va voir qu'elle n'a pas cet amour universel en elle. El alma se dará cuenta que no posee ese amor universal. Elle va se rendre compte qu'elle n'a pas aimé son prochain comme elle-même. Se dará cuenta de que no ha amado a su prójimo como a ella misma. Elle va voir qu'elle n'a pas partagé ses biens, son argent. Se dará cuenta que no ha compartido sus bienes, sa nourriture, ses médicaments, ses habits. Su comida, sus medicamentos, su ropa. Et là, elle va souffrir. Y eso le va a hacer sufrir. Et alors, elle va beaucoup pleurer. Y llorará mucho. 5 minutos. 5 minutos. Gracias. 5 minutos más. Au purgatoire, c'est la mère de Dieu qui vient, comme j'ai expliqué, mais Saint Michel, lui aussi, il vient au purgatoire. En el purgatorio, además de la Santísima Virgen, como ya nos ha dicho, también San Miguel acude al purgatorio. Et il y a aussi les anges qui viennent. Y los ángeles también. Vous savez que chaque âme du purgatoire a son ange gardien, tout comme nous, nous avons notre ange gardien sur terre. Cada alma del purgatorio ha tenido su ángel guardián, ángel de la guarda, como cada uno de nosotros lo tenemos. Alors quand les anges vont les visiter? Cuando los ángeles los visitan. Eh bien, les anges vont consoler. Los consuelan. Leur protéger. A sus protegidos. Mais les âmes elles peuvent les voir. Las almas los pueden ver. Et à ce moment-là, elles sont consolées. Y entonces experimentan un consuelo. Et on peut aussi les soulager quand on verse l'eau bénite. Y también les alivia mucho si nosotros echamos agua bendita. Voilà. Donc moi, je trempe mes doigts dans l'eau. Ella, avant de rentrer, vous savez, au début, en rentrant dans la messe, dans l'eau bénite. Ella le gusta cuando va a la iglesia, antes de entrar a la iglesia, se moja los dedos y... Je fais une croix et je dis... Y hace una cruz. Jésus miséricordieux. Y dice, Jesús misericordioso. Et pitié des âmes du purgatoire. Ten piedad de las almas del purgatorio. Et les âmes du purgatoire disent aussi que l'homosexualité, ça vient de l'enfer. Las almas del purgatorio también le dijeron a María que la homosexualidad viene del infierno. Et qu'il faut beaucoup prier pour se détourner de cela. Y que hay que rezar mucho para apartarse de esto.
Ça ne vient jamais de nous-mêmes. Nunca es una causa que venga de nosotros mismos. C'est l'enfer qui travaille dans les âmes pour les plonger dans l'homosexualité. Es el infierno el que trabaja en las almas para hundirlos en la homosexualidad. Et si un homosexuel s'approche d'un prêtre pour sa guérison, s'il accepte de vivre la chasteté? Y si un homosexual acude a un sacerdote para que lo sane y acepta la castidad? Alors Dieu le sauvera et il le guérira. Dios lo salvará y lo curará. Et les âmes du purgatoire disent aussi que la réincarnation n'existe pas. Y las almas del purgatorio también dicen que la reencarnación no existe. Elles disent que Dieu ne nous donne qu'une seule vie. Nos aseguran, nos dicen que Dios nos da solo una vida. Et c'est vrai que si on regarde la parole de Dieu. Y si miramos la palabra de Dios. En Hébreux chapitre 9 verset 27. En Hebreos capítulo 9, capítulo 9 versículo 25-27. Chapitre Hébreux. Dieu, la parole de Dieu nous dit les âmes ne meurent qu'une fois. Las almas solo mueren una vez. Après quoi il y a le jugement. Después de lo cual hay el juicio. Ce que nous explique le catéchisme, c'est le jugement particulier de notre âme. Es lo que está escrito en el catecismo, que es el juicio particular de nuestras almas. Et María Sima nous dit que tous les hommes ont une voix intérieure. María Sima nos dice que todos los hombres tenemos una voz interior. Et même s'ils ne pratiquent pas la religion, incluso si no practica la religión, eh bien, ils reconnaissent, l'âme, elle reconnaît implicitement Dieu. El alma reconoce implícitamente a Dios. Quelqu'un qui ne croit pas, alguien que no crea, ça n'existe pas. No existe. Dans l'âme, ça n'existe pas. En el alma, eso no existe. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, moi je suis athée, je suis incroyant, je ne crois pas. Pero vemos que hay gente que dice soy ateo, soy, no soy creyente, no. Pero a la primera prueba que tienen en su familia. Pero en la primera dificultad, que en la primera prueba que surge en su familia. Je vous salue Marie pleine de grâce. Se ponen a rezar Ave María. Donc ils croient. Entonces en el fondo creen. Dieu dit que chaque homme. Dios dice que todos los hombres. A une conscience pour reconnaître le bien et le mal. Tienen una conciencia para reconocer el bien y el mal. Et cette conscience, elle est donnée par Dieu. Y esta conciencia la da Dios. Et Dieu lui donne une connaissance intérieure. Y Dios da un conocimiento interior. À différents degrés pour chaque âme. En diferentes grados para cada alma. Mais l'homme sait discerner le bien et le mal. Pero el hombre sabe discernir el bien del mal. Tant qu'il garde le Saint-Esprit. Mientras tiene en sí el Espíritu Santo. Parce que si vous commettez beaucoup de péchés mortels, porque si uno, si comete, les démons vous possèdent de plus en plus. El demonio nos posee cada vez más. Et il vous aveugle. Y nos ciega. Tellement que vous ne voyez plus le péché. De manera que ya no vemos el pecado. Muchas gracias.